Alors, il ne préfère pas. Mais là, vous allez me faire, faire analyser le texte, je ne vais pas l'ouvrir, je suis parti pour deux heures. Il ne préfèrent pas. Regardez, et je vais essayer de dire en deux mots. Quel est le drame de Cain et Abel? C'est qu'ils sont conçus dans le non-amour. Regardez bien. Genèse 2, pardon, Genèse 1 et 2, la création selon le plan de Dieu. Genèse 3, le péché. Eh bien, parties de Genèse 3 jusqu'à Genèse 11, les conséquences du péché. Regardez, Adam et Eve, quand, avant le péché, Hisha, Ish, l'os de mes os, la chair de ma chair, qu'elle est belle ma conjointe, que je t'aime ma petite Isha ». Très bien. Ça n'a pas duré. Après le péché des origines, quand Dieu vient le soir, à la brise du, du soir, rencontrer Adam et Eve, je me suis caché, j'entends tout tu pas, je me suis caché. Tu aurais donc mangé de l'arbre C'est pas moi, c'est elle que tu as mis à côté de moi. Ah ah vous Voyez que ce n'est plus Ish et Isha. Le récit nous dit Attention, si vous ne reconnaissez pas Dieu comme source de tout amour, si vous vous coupez de la source du Père de tout amour, de la source de tout amour, vous serez incapable de vous aimer les uns les autres, et ça commence au cœur même de ce qu'il modèle de toute relation d'amour, l'homme et la femme L'homme accuse sa femme et accuse Dieu. C'est cette femme que tu as mis à côté de moi. C'est ta faute. Et puis, Ève va accuser le serpent, accuser les contextes. Voyez, rupture d'amour. Et vous tournez la page et vous arrivez à Genèse 4. Alors, je cite de mémoire, allez voir. Je vais pas voir, je, vais le, je vais pas le citer de mémoire, mais le texte français est trop doux. L'homme connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Cain. Alors, l'homme, il faut voir en hébreu, ce n'est plus, ce n'est plus Ish, le nom propre. C'est de nouveau l'homme impersonnel, Adama, l'humain. Connu. Mais attention, le verbe connaître, il est particulièrement violent. C'est celui que l'on retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Aïe. Quand les habitants de Sodome demandent à, aux frères de euh, Lot, de faire sortir les compagnons qui sont avec lui pour abuser d'eux, un abus violent, une violence homosexuelle. Donc vous voyez, les, les termes sont durs. L'homme connut sa femme. En français on dit sa femme, pas en hébreu. C'est son bien. Il a abusé d'elle. C'est tout. Attention, nous ne sommes pas dans un récit historique. Nous sommes occupés à dire, mais il est beaucoup plus qu'historique. Il décrit ce qui se passe dans une humanité qui n'est plus capable d'aimer. Ce n'est plus l'amour, on cherche le bien de l'autre, c'est un amour, on cherche son bien, on convoite l'autre comme si c'était un objet. Adam a violé sa femme, elle conçut et enfanta Cain. L'acquis, ça veut dire Cain. Qu Depuis quand est-ce qu'un enfant est un bien acquis Voilà une femme qui est abusée par son mari et qui va jeter son dévolu affectif sur cet enfant. Il est à moi. Confirmation de ce que je vous dis. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par Dieu, et le mot homme ici, c'est l'homme adulte en âge de relations sexuelles. Attention, le discours est très dur. En clair, il nous dit, si vous n'enfantez pas dans l'amour, vous allez enfanter des psychotiques. Cain et Abel sont les premiers psychotiques de l'histoire. Abel, son nom signifie buée, vanité, evel, vel dans le coélect. Abel est mise en scène comme contrepoint de Caïn. Il n'a d'autre rôle que pour mettre en contrepoint de Caïn. Et Caïn, c'est moi et peut-être vous. Attention hein. C'est nous qui sommes incapables d'aimer vraiment et c'est nous qui sommes en quête d'une vraie paternité divine que nous avons perdue par le péché. Et Caïn va maintenant, c'est pas Dieu qui demande un sacrifice hein. Dieu n'a rien dit. C'est Caïn qui va essayer parce qu'il ne sait pas ce que c'est l'amour, il va essayer de manipuler Dieu. Je t'offre un sacrifice et tu me donnes le droit d'aînesse Ok, signe-la. Alors mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Et Abel fait la même chose. Je vous dis bien, Abel est le contrepoint de Cain. Hein et Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Si Dieu consent à accueillir le sacrifice de Cain, il lui rend un terriblement mauvais service. Cain va se dire chouette, ça marche suffit de lui donner des sacrifices et on a sa protection. Donnant, donnant, on mérite les faveurs de Dieu. C'est plus de l'amour. C'est du marchandage. C'est pas ça la paternité divine. C'est gratuit. Mais vous sentez qu'on touche une blessure dans notre cœur? Nous sommes tous pharisiens. Nous voudrions mériter de Dieu. Donc Dieu ne peut pas répondre à qu'un. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Il n'a pas dit qu'il a refusé ou préféré. Non. En hébreu, c'est il regarde vers Abel. Il invite Cain à dire, Cain, regarde à côté de toi. Il y a quelqu'un là que tu ignores totalement, ton frère. Au lieu de m'offrir des sacrifices à moi, vis une relation vraie avec lui. Retrouve le chemin de l'amour. Et dans l'amour, tu me rencontreras. Sauf que Cain ne peut pas l'entendre. Son cœur est de pierre. Et il le tue, son frère. La haine est meurtrière. Mais vous entendez quel est l'enjeu? C'est pas Dieu qui préfère l'un ou l'autre. C'est pour ça que j'ai pas répondu par mail. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop beau, trop riche comme texte. Ça parle de moi, de mes tentatives de manipuler Dieu, parce que je ne sais plus ce que c'est la gratuité. Et du coup, alors, de comment, les sacrifices commencent avec un, et le meurtre commence avec un. Alors, Dieu n'a jamais demandé sacrifice? Non, c'est qu'un qui commence. Et Dieu ne... vous, Si vous mangez de l'arbre, vous allez mourir. Mais je n'ai pas vu qu'Adam et Ève sont morts, il s'agit d'une mort spirituelle, la mort physique, c'est Cain qui l'introduit. C'est nous qui introduisons la violence, c'est pas Dieu. Alors tirez-en les conclusions sur toute cette violence contre les Amalicites et tous les autres qu'on a fait du hachis parmentier. Mais c'est pas Dieu qui demande ça. Dieu nous dit au livre de la Genèse Vous êtes tous frères. Arrêtez, vous êtes tous frères. Retrouvez ma paternité et arrêtez de vous entretuer mais on ne lit pas la bible ou alors on lit des petits extraits sans voir l'ensemble et on dit des contrepoints alors qu'à un dieu lui dit clairement pourquoi ta tête est-elle tournée vers le bas en clair il faudrait lire le texte pourquoi te laisses-tu dominer par tes passions relève la tête ça c'est la position de l'homme en état de grâce où la grâce divine éclaire son intelligence, fortifie sa volonté et lui donne la maîtrise de ses passions. Mais Cain n'écoute pas. Et Cain reste la tête renfrognée et tue. Est-ce que Dieu l'abandonne à son triste sort Lui dit, celui-là, alors, non. Dieu l'appelle. Alors, Cain, où est ton frère Suis-je le gardien de mon frère Vous voyez bien que c'est le contrepoint, le refus de la fraternité. Et puis Dieu répond, mais tu sais, je ne peux pas l'ignorer. Le sang de ton frère crie vengeance au ciel. Alors, qu'un se voit dévoilé et dit oui. Mon awon, ma charge est trop lourde. Le premier venu me tuera. Je vous demande un peu qui c'est le premier venu. Adam, Ève, Abel est mort. Il n'y a pas grand monde, hein. Mais encore une fois, c'est pas des récits historiques, c'est beaucoup plus. Notre peur, notre culpabilité. Et tout le monde est contre moi. Dieu le premier. Et Dieu dit non, Cain. Alors il emploie une expression simite. « Si quelqu'un t'en veut, il aura affaire à moi, concrètement, il vengera. » Cette fois, ça veut dire ça. « Je me fais ton protecteur et je te marque du signe de l'élection. » Ça, c'est le comble. « Quand un tue son frère pour être l'élu, et tu lui dis, mais mon enfant, tu l'es de toujours à toujours, et tu pourrais tuer tous tes frères, tu restes mon enfant. » Voyez comment la miséricorde prévenante, nous ne pouvons pas sortir de l'amour paternel de Dieu du côté de Dieu nous en sortons par notre haine mais pas du côté de Dieu le fils prodigue le père quand le fils prodigue Je suis plus digne d'être appelé ton fils le père lui coupe la parole <laughs> ça ne te regarde pas ça de mon côté tu restes mon enfant toi tu t'es éloigné de moi et le récit le dit qu'un s'éloigna de la face de Dieu mais c'est pas Dieu qui l'a chassé c'est lui qui s'éloigne ah, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple histoire de, de de jalousie et de priorité dans les le choses. C'est Dieu qui essaie de nous faire voir, attention, vos violences sont souvent dues à des jalousies, à des angies et tout cela, à des rivalités fraternelles, parce que vous ne voyez plus que Dieu est votre Père et que tout est gratuit. Vous voulez mériter les faveurs de Dieu et les autres, alors que c'est gratuit. Acheter l'amour, bah, c'est de la prostitution. C'est ce que dit Jésus les prostituées vous précèdent dans le royaume. Elles ne font qu'acheter l'amour des hommes, et vous voulez acheter l'amour de Dieu. Et ça commence déjà avec Cain. Bon, c'est trop rapide. Faudrait plus de temps sur Cain Abel et une étude mot par mot. Mais c'est uniquement pour que vous ressentiez que ces récits des, du livre de la Genèse sont des des perles rares. Je vous dis, je j'avais un cours à la Cato sur les onze premiers chapitres du livre de la Genèse. Je ne suis jamais arrivé au bout parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Chaque verset a à prendre en compte. Et, et l'agencement des chapitres les uns sur les autres. Voulez-vous une confirmation de ce que je vous ai dit Parce que vous du qu vu ce qu'il invente là. Chapitre 4. L'homme connut Ève et sa femme. Elle conçut enfant à Paf. Chapitre 5. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Je suis au chapitre 5, ça reprend le chapitre 2. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme à son image, et il lui donna le nom de. Cain, hein, logiquement. Sept. s -E t h Tiens, tiens, on se dit, mais il faudrait qu'il sache quand même, c'est qu'un ou Sept Non, ce sont deux récits à mettre en parallèle. Vous avez vu la brutalité du premier? Cain connaît sa femme et ils enfondrent, paf. Et ici, c'est tout autre chose. Ici, Adam engendra un fils à sa ressemblance, comme son image. Il fait de la même façon que Dieu. On rappelle comment Dieu crée, image et ressemblance, dans l'amour. Ici, Adam engendre dans l'amour, et il se nomme Sept. Et dans les généalogies, on ne parle plus de Caïn et Abel. On parle de Sept. Vous voyez bien qu'il faut comprendre les deux chapitres en opposition. Et c'est clair qu'on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là Vite, prenons le chapitre 5, parce que le chapitre 4, ça ne se passe pas bien là. Mais non, ça ne se passe pas bien. C'est un fondement qui n'est pas dans l'amour. Et comme je vous dis, la Bible dit, attention, si c'est dans la violence et le non-amour, vous créez des psychotiques qui vont toujours se battre avec des sentiments, hein, des passions de l'âme, parce qu'ils ne sont pas dans l'épanouissement de l'amour. Ils ne se sentent pas accueillis dans l'amour. Par contre, si vous faites comme Dieu vous l'indique, vraiment dans cette volonté de servir l'amour, servir Dieu et vous servir dans une vraie relation, là, vous pouvez construire une généalogie.